Et revoici une vidéo courte. Aujourd'hui, une astuce pour bien conserver l'ail. L'ail, quand on le met dans le frigo, il ne se conserve pas très bien, il a tendance à moisir. Si on le garde à l'air ambiant, il va facilement sécher et ne pas bien se conserver. Donc, une bonne solution, c'est simplement de l'éplucher, de bien garder les mousses ou de le couper en petits morceaux si on souhaite et de le mettre dans un bocal avec de l'huile, huile d'olive ou autre, selon votre choix. L'avantage ensuite, c'est qu'il va se conserver très très bien, on peut le mettre au frigo d'ailleurs, et puis on prélèvera au fur et à mesure ce dont on a besoin. Alors, le deuxième avantage, eh bien, c'est que si vous utilisez votre ail par exemple pour démarrer une recette, sauce de tomate ou autre, préparation de viande, voilà, eh bien en prélevant de l'ail dans votre bocal, vous prélèverez également un petit peu d'huile et vous n'aurez pas besoin d'en rajouter davantage dans votre préparation. Voilà, donc c'est tout simple et vous verrez que ça vous permettra de ne plus en perdre quand vous achetez des fois un filet où il y a 3-4 têtes d'ail. Eh bien, vous pouvez préparer un bocal avec toutes ces gousses et de l'huile, et ainsi vous le conserverez parfaitement. Voilà les amis, c'était l'astuce d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.